plus honteux dans cette histoire de Fatounier, le co-viol, c'est vous les RPGistes. C'est vous les RPGistes, arc-en-ciel. Ah! Non, Fatou vous a fait au nid. Fatou là, elle est plus intelligente que vous les RPGistes, wallah. Elle est plus intelligente que vous. Regardez comment cette dame en train de manipuler les RPGistes. Fatou en train de vous manipuler. Elle est en train de vous mettre dans la honte. Regardez, avec toutes vos interventions, Fatou est parti supprimer ses vidéos. Fatou est parti supprimer toutes ses vidéos. Toutes ses vidéos de violence, injures, etc., etc. Au moment que vous, les RPGistes arc-en-ciel, vous êtes là de dire que scandale sexuel, scandale esclavagiste, scandale quoi, whatever and whatever. Hein? Non, vous êtes vraiment des moutons, des facochers, des maudits communicants comme vous. Les maudits redits comme vous. Je vois petit Anso vers le soir qui disent que non, nous on est là en train de contrôler la situation, voilà, puisque la situation soit comment. Hey, frérot, c'est faux. Toi, tu peux pas arranger la situation et tu peux pas négocier la situation. La situation entre Selou et comment elle s'appelle, et Fatou. Comme vous avez vu que vous-même, vous avez vu raison, comme tu as bien écrit le titre de ta vidéo, oui, la famille de Selou. Je vous ai dit ici, c'est pas Selou qui a porté plainte, mais plutôt sa petite famille. Maintenant, vous avez vu la vérité, la raison. Vous-même, vous avez fait la vidéo, faites la vidéo, soi-disant notre petite famille de Selou. Vous avez vu, non? Tu ne peux pas être contre quelqu'un jusqu'à ce niveau-là. Partie faible de Selou. Les communicants RPGistes, là, ils ne peuvent pas arranger. Ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas. Leur bonheur, leur prière aujourd'hui, c'est de voir Selou tomber par terre. Si un communicant de RPG Arc-en-Ciel vient dire que non, nous on est en train d'abaiser la situation, etc., etc., c'est purement faux. C'est parce que vous avez vu que Fatou n'a pas raison. Elle n'a pas de toute raison. Jamais de la vie. Elle n'a pas raison. C'est pourquoi vous-même, aujourd'hui, vous avez décidé de dire aux Guinéens, non, c'est pas la petite famille de Selou. Et pourtant, c'est vous-même qui disiez que oui, c'est Selou qui veut emprisonner Fatou. Non, on peut être malhonnête comme ça. On peut être malhonnête comme ça. On peut être maudit comme ça. Non. On ne peut pas être maudit comme ça, comme les communicants d'RPG. Vous êtes tous des maudits. Les maudits blogueurs, les RPGistes blogueurs. Et je vous ai dit, Tanti Fatou, tu sais bien que moi, je t'aime, oh, je t'aime bien. Hein? Mais mets de l'eau dans tes veines. Les personnes là, prenez l'exemple sur ton petit frère. Ton petit frère se retrouve en prison, 2 ans d'emprisonnement. Prenez l'exemple sur Général El Sissi, il est en prison aujourd'hui. Qui parle de lui? Qui parle de lui? Pour bavarder sur le réseau social, là, c'est très facile. Quand on va t'arrêter là, on te fout dans la prison. Ils vont bavarder sur le réseau social fatigués. Pour casser, conséquence, qui va assumer? C'est vous. C'est vous qui va assumer pour casser la conséquence.
Donc, je vous ai toujours parlé de ça, attentif à tout. Mettre l'eau dans tes veines, faites doucement tes actions, tes actes. On est dans un monde démocratique. Tout le monde est libre de s'exprimer. Attentif à tout. S'il vous plaît, il ne faut pas laisser UFDG. Il faut critiquer UFDG jusqu'à la fin. Ça, même moi, je te soutiens. Il faut critiquer UFDG. C'est pourquoi on peut réparer les pannes. Mais quand Tanti Fatou ne critique pas UFDG, on ne peut pas réparer les pannes. Donc, Tanti Fatou, il faut critiquer UFDG. Mais l'injure là, laisse ça. L'injure là, laisse ça. Il faut oublier les injures publiques. Il faut laisser. Mais à la grâce, celui qui vient t'insulter dans ton inbox là, toi aussi, il faut lui montrer que tu as des dents vampires. Tu es plus ragé que elle ou bien que lui. Tu es plus vampire que lui. Nous, c'est ça. Publiquement, on n'insulte pas. Mais demandez, tous ceux qui viendront insulter dans mon inbox ici, je vais l'insulter piant père et mère. Père et mère. Mais publiquement, j'insulte quelqu'un qui insulte moi, ma communauté, qui insulte moi, mes parents. Voilà. Donc, Tanti Fatou, s'il vous plaît, mettez l'eau dans tes veines. Mettez l'eau dans tes veines. Si vous pouvez demander pardon à la petite famille de Ella Seloudel Ngalo, vous pouvez le faire sans l'orgueil. Sans l'orgueil. Que ce soit publiquement ou bien privé, en tout cas, il faut demander pardon à la petite famille de Cielo parce que ce n'est pas facile. Personne ne peut accepter que ton papa soit victime d'un jeu public comme ça, Tanti Fatou. Vous comprenez, non? Donc, tous ceux qui te disent que non, on ira jusqu'au bout, on va t'aider, tu vas sortir TV5, tu vas parler sur TV5, etc. Tout ça, c'est des faux débats. C'est des faux débats. C'est pas TV5 qui va résoudre le problème de la Guinée. Même si tu parles sur TV5 là, si la loi t'attrape là, tu vas partir en prison. C'est pas Macron qui viendra nous dire ici, les Guinéens, non, il faut laisser Fatou. C'est impossible. C'est impossible. Donc, Tanti, s'il vous plaît, Tanti, s'il vous plaît, je me mets en genoux devant toi, Tanti. S'il vous plaît, mette l'eau dans tes veines. Il faut laisser les vampires là. Moi, j'ai vu que vous êtes plus intelligent que les RPGistes. Ouais. Parce que pour faire ton combat avec Kotoselu là, tu as passé par la petite porte d'RPG pour combattre le président Selu et tu as reçu de le combattre parce que au moment de Monsieur Alpha Condé, vous avez insulté, humilié le président Selu Dalengalo. La justice, il s'en fout. Donc, pour moi, vous avez reçu. Vous avez reçu. Donc, maintenant, le régime est changé. Donc, Tanti Fatou, s'il vous plaît, mettez l'eau dans tes veines. Il faut critiquer, mais n'insulte pas Tanti Fatou. S'il vous plaît. S'il vous plaît, Tanti Fatou. Alassane, le messager du métro, 15 fof là, il ne peut rien faire pour toi. Rien. Il n'y a pas plus maudit que le petit là. Il n'y a pas. Lui, ils disent qu'il est plus intelligent. Il est intelligent. Mais, mon frère, tu es intelligent. Tu as fait 23 ans. 23 ans d'études. Et tu travailles dans le chantier. Tu travailles dans le chantier européen, français comme ça. Hein? Ou bien tu ramasses les tomates dans les champs français. Ou bien tu travailles dans les restaurants là, dans les restaurants français. Oui, parce que
Tu ne peux pas nous dire que, pourquoi je cite les boulots là, parce que tu ne peux pas nous dire que tu travailles dans un cabinet en France, ou bien dans un bureau en France. Et pour trouver un noir, black, qui travaille dans le bureau occidental là, ça trouvera qu'il y a des bibliothèques dans sa tête. B, ici, bibliothèque, c'est calé ici. Tu comprends, non? Donc, c'est pas... Voilà, tu pensais que tu es grand pour dire à les Africains que oui, tu as fait 23 ans d'études. On s'en fout, motherfucker, fuck out, man.